Tu veux effectuer une multiplication. Disons que tu veux déterminer le produit de 4 fois 267. J'ai représenté pour toi le nombre 267 à l'aide du matériel base 10. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cubes pour les 7 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6 languettes pour les 6 dizaines et 2 planchettes pour les 2 centaines. Puisque tu veux faire une multiplication de 4 fois ton nombre 267, on va répéter ici 4 fois ton nombre 267. Donc on l'a ici une fois, on répète une deuxième fois, donc 2 planchettes. J'utilise de la même façon 6 languettes et ici 7 cubes, 6, 7. Je recommence une troisième fois, 2 planchettes. Ici j'ai 5 et maintenant 6 languettes. Et encore une fois, je vais prendre ici 7 cubes et une quatrième fois, 2 planchettes. 1, 2, 3, 4, 6 languettes et ici 7 cubes. Maintenant, puisque de faire la multiplication, on va regrouper tous les blocs qui représentent la même valeur, c'est-à-dire les cubes ensemble, les languettes ensemble, même chose pour les planchettes. Il ne reste plus qu'à venir compter combien tu as de blocs pour chaque valeur. Donc ici, on commence toujours par ceux qui représentent la plus petite valeur, c'est-à-dire les cubes pour les unités. On en a 2, 4, oups, il y en a un qui est collé, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Toutefois, si tu veux venir indiquer ici le nombre qui occupe la position, le chiffre qui occupe la position des unités, tu ne peux pas en utiliser plus qu'un à la fois. Comme tu as 28, on va venir ici remplacer par groupe de 10, 10 cubes par une languette. Donc ici, on en a 20 à remplacer par 2 languettes. Donc, je les prends ici, je remplace par 2 languettes que je viens placer avec mes autres languettes. Donc il nous reste 2, 4, 6, 8 cubes, donc un 8 à la position des unités, comme ceci. Maintenant, les languettes. On en a 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26. Même chose, un chiffre par position. Donc, à chaque fois qu'on a 10 languettes, on a une planchette. Ici, on en a 26, donc on va en prendre 20 qu'on va remplacer par 2 planchettes. Donc, j'enlève ici mes 20 languettes. Comme ceci, que je remplace par 2 planchettes que je viens mettre avec les autres. On compte combien il nous reste de languettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, un 6 à la position des dizaines. Maintenant, on compte le nombre de planchettes. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ne peux pas indiquer 10 ici à la position des centaines puisqu'on peut mettre un seul chiffre. Donc on va transformer ici nos 10 planchettes par un gros cube que voici. Oups! Donc, il ne nous reste plus de planchettes. On garde le 0 ici à la position des centaines. Et on a maintenant un gros cube, c'est-à-dire une unité de 1000. Donc, le produit de 4 fois 267 te donne 1068. Tu veux effectuer une multiplication. Par exemple, tu cherches à calculer le produit de 583 et 6. Tu vas placer tes nombres à la verticale en les plaçant un en dessous de l'autre et idéalement en plaçant le nombre qui contient le moins de chiffres en deuxième position. Aussi, fais attention de bien placer tes chiffres selon la position qu'ils occupent. Unité, dizaine, centaine, unité de 1000. Donc le premier, 583, que tu vas multiplier par 6. À gauche, ça indique le signe de l'opération le fois.
et tu traces un trait horizontal pour le signe d'égalité. Tu es prêt à commencer ta multiplication? Donc, le chiffre des unités du deuxième facteur que tu multiplies par chacun des chiffres du premier facteur. On commence 6 fois 3, 18. On écrit un seul chiffre sous la barre du signe égal. Et on vient reporter ici la dizaine qui est une retenue. Deuxième multiplication, 6 fois 8, 48. Et tu viens additionner ta retenue plus 1 qui te donne 49. Encore là, une fois, on écrit le chiffre des unités ici et on reporte la dizaine. Et la dernière multiplication, 6 fois 5, 30, plus 4, 34. Tu peux maintenant écrire ton résultat puisqu'il n'y a plus d'autres chiffres dans ton premier facteur. Donc, le produit de 583 multiplié par 6 te donne 3498. En résumé, lorsque tu veux multiplier un nombre par un nombre inférieur à 10, tu peux utiliser la démarche suivante. 1. Écris tes nombres à multiplier à la verticale en plaçant le nombre inférieur à 10 en dessous. 2. Multiplie le chiffre seul par chacun des chiffres du nombre à multiplier, un à la fois, en commençant par la droite. 3. Tiens compte des retenues s'il y a lieu.